Donc, bonsoir, nous avons ce soir avec nous Laetitia Verdot, que j'ai rencontrée hier et qui a accepté de passer donc sur French American TV. Donc, Laetitia, bienvenue au programme franco-américain. Ça se prononce comment ton nom? Laetitia Verdot. Ah non, on ne Oui. prononce pas le A. Non. Ah d'accord, je te Eh bien, peut-être il y a très longtemps, on Beaucoup de disait gens le disent. Laetitia. Il y a beaucoup de gens qui disent Laetitia quand ils te parlent. Non, surtout en Amérique, ils disent Laetitia, Les tiges? Laetitia. Ils ne savent pas vraiment dire le Laetitia. Ah Donc, bon. non, c'est vrai que Il y a un accent quand ils parlent. Oui, et j'ai jamais entendu vraiment mon nom appelé correctement. Ah bon? D'accord, Mais bon, alors. alors aujourd'hui, appelez-moi Letty, comme ça, hop, il n'y a pas de problème. D'accord, donc c'est un nom, je pense que c'est un nom plus typiquement français. Oui. Ok. C'était la femme de Napoléon. Ah Elle oui? s'appelait Laetitia. Ah bon? Oui. Ah ben voilà, j'apprends quelque chose de Et ça veut nouveau. dire joie en latin. Ça veut dire joie. Oui. Eh ben, ça te va très bien parce que tu es joyeuse. C'est vrai. Oui. Je crois qu'il y avait aussi la femme de Johnny Hallyday une fois qui s'appelait Oui, Laetitia. Laetitia, oui. C'est vrai qu'il y a Et. plein de Laetitia et toutes celles que je connais, c'est vrai qu'elles ont de l'énergie, elles sont vraiment gentilles, tu peux vraiment Leur parler? ouais, leur parler, être à l'aise. Donc, D'accord. Donc toi, c'est ta nature un peu d'être comme ça. j'aime bien. J'aime Oui. bien rendre les gens confortables, à Oui, l'aise et c'est super. oui. Alors, étant donné que, bon, je t'ai parlé hier, mais je ne te connais pas 100%, mais est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es là? Ça fait 11 ans et demi. Donc, tu es venue très Je jeune, suis venue à 18 ans. à 18 ans. C'est drôle parce que moi, je suis venue aussi à 18 ans aux Ah États-Unis. oui. Quelle coïncidence. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amenée ici, finalement? Ah bah, plein de choses. Plein de choses. C'est une longue, longue histoire. Mais je suis née à Santa Cruz, à Ah une heure bon? de San Francisco. Tu es née là, tu es Ouais. américaine. Oui. Ah, ça c'est bien. C'est vrai que ça a changé ma vie, c'est mon bonheur. Et je remercie encore mes parents d'avoir eu cette fabuleuse idée. De te faire naître aux Oui, États-Unis. complètement. Ils ont vu que ça pourrait être vraiment une bonne idée dans le futur pour aussi nous donner une chance de choisir où est-ce qu'on aimerait habiter. Et aussi pour eux, parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient devenir américains pour ça. Et ta Et du mère est coup, française. et oui, ils sont tous les deux français, mais du coup, ils ont essayé de demander un visa. Et ça n'a pas marché parce que vu ils sont français, il faut que nous, on les sponsor. Et c'est très Donc très vous avez dû difficile. retourner en France. On a dû retourner en Donc ils étaient France. là en vacances. Oui, plus ou moins. C'était des hippies, ils faisaient du stop et ils ont atterri à Santa C'est Cruz. drôle. Oui, ils ont adoré la ville et ils se sont dit, bon, pourquoi pas, on va essayer, on va faire notre famille C'est ici. incroyable Ouais. ça. C'est incroyable. Et c'est vraiment. C'est très très cher à mes yeux, Santa Cruz. C'est vraiment une ville très Oui, j'aime spéciale. bien Santa Cruz. C'est La génial. plage, tout ça, c'est génial. C'est un peu comme Nice, enfin pas Nice, plutôt Cannes, parce que Un Nice petit c'est cas. les cailloux, mais Ouais. la vraie plage c'est plutôt Cannes. Et j'aime bien le grand 8 sur la plage. Ça fait vraiment très Oui. show télévisé. Tu as vécu là-bas? Ben, on a vécu 3 ans. Oui. Et ils trimaient. C'était très difficile pour qu'ils trouvent un boulot. En Alors plus, tu es venu vers la ville. j'ai une soeur jumelle, donc c'était deux bébés à s'occuper. Ils avaient vraiment beaucoup de mal. Oui. Et donc ma mère, elle a décidé de retourner en France quand on avait 3 ans. Oui, il y a beaucoup plus de programmes sociaux là-bas. Oui, et puis elle sentait pas vraiment. Bon, c'est Elle vrai se qu'elle a. sentait pas américaine. Non, elle Ok. sentait pas américaine. Elle voyait que c'était trop dur et elle a un peu abandonné. Elle s'est pas vraiment battue. Et c'est dommage dans un sens que j'aurais vraiment voulu grandir à Santa Rester Cruz, ici, c'est oui, sûr. c'est J'aurais vrai. été. Si on n'a pas un support familial, c'est Eh difficile. oui, ouais. D'accord. Oui, Oui, non, exactement. moi j'étais aussi maman de deux enfants. Et c'était très difficile aux États-Unis parce qu'il n'y a aucun support. Les babysitters, c'est très cher. Le travail, c'est impossible. Ouais. Et donc, s'il n'y a personne pour faire la famille pour garder les enfants, tout ça, ça devient une mission très difficile d'être maman finalement aux Ouais. États-Unis. Ouais. Donc, je comprends pourquoi ta mère a donc voulu retourner en France. Oui, elle voulait s'entourer de sa famille et vraiment peut-être continuer. Elle voulait continuer ses études, finir son master d'enseignement et Et puis puis, bon. elle est revenue ici maintenant? Non, elle est en France. Elle aimerait bien Elle est venir restée là-bas. habiter. Elle est Bah oui, restée là-bas. elle Ok. aimerait bien venir habiter avec nous, être près de nous, mais au niveau Parce que du visa. toi, tu es américaine. Voilà, c'est ça. Mais ça veut pas dire qu'ils peuvent être américains. Et ah bon? Non. Ils n'ont pas le droit de venir parce que tu es là? Ils peuvent venir 3 mois en tant Trois mois. que.
avec un visa de tourisme, mais s'ils ont envie d'être américains parce que leurs enfants sont américains, ils peuvent pas. Je savais pas. Donc c'est que si tu es mariée avec quelqu'un que tu peux venir. Oui, mais je pense que bon, s'il n'y avait pas eu le 11 septembre, ah, je pense que ça aurait été beaucoup plus facile. Avant, on faisait une application et puis. Oui. Oui, parce que logiquement, bon, ok, c'est t'es ta quand même, famille. voilà, c'est t'es les parents, tes enfants sont américains, je pense que ça te donne le droit de vivre aux États-Unis et de devenir américain, ça, je trouve ça logique. Mais avec le 11 septembre, avec toutes les restrictions de visa et Oui, ils ont un peu c'est un peu fait compliqué, beaucoup plus de règles, c'est ouais. ça? Ça devient presque impossible. Faut que je fasse énormément d'argent pour pouvoir sponsorer ma mère ou mon père. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ça met une petite pression Il parce faut un que investissement. énorme. Ouais. D'accord. Donc, tu es venue ici en tant qu'étudiante pour aller au collège, c'est ça? Ou Bah, à l'université? au départ, je voulais juste partir de la France. Ah J'en bon? avais un peu Tu en avais marre. marre, ok. Oui, j'en avais marre. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la famille, ça marchait pas très bien. On était encore adolescente avec ma sœur, on était en train de se battre. Il y avait toujours des problèmes familiaux et je me sentais pas à l'aise. Il fallait que je parte, il fallait que je vive ailleurs. Ok, et donc tu es venue ici, t'en es qu'américaine. Oui, non, mais en fait, c'est vrai que je connaissais rien vraiment de la vie, j'étais encore une gamine, et mon père a mis une annonce à Santa Barbara en disant, voilà, je cherche une famille pour garder les enfants. Donc, au mois de juin, je venais de finir mon bac, au mois de juin, il y a une famille qui Qui t'appelle? m'appelle, qui me dit, ah, on serait intéressé de vous avoir à la maison pour un an, j'ai un petit garçon de 5 ans, est-ce que vous voulez lui apprendre le français, s'occuper de lui? Et Tu as dit d'accord. je vais attendre, j'y réfléchis. Et puis je les ai rappelés bon, un ou 2 jours après en disant maman, bon mais il se peut que voilà, je parte en Amérique vivre. Est-ce que ça va? Et bon bien sûr mon bonheur est son bonheur. Donc elle m'a dit pourquoi pas, Vas-y. tente. Après tout t'as fini ton bac, t'es grande, t'es majeure, fais ce qui te semble le mieux. Et donc je suis partie à Santa Barbara et j'ai eu un an magnifique. C'est vrai? Ouais et puis je suis jamais revenue. Ouais, en fait je suis jamais Tu es revenue. resté aux Ouais. États-Unis et Ouais. après tu as fait tes études, etc. Oui, les études sont venues un peu après parce que j'en avais tellement plein les yeux. Pour moi, je voulais vraiment prendre un break sur les études. Je voulais vraiment voir toute l'Amérique. Je voulais voyager, rencontrer du monde, apprendre Santa l'anglais. Barbara, c'est à côté de Los Angeles. Oui, c'est à peu près 1 heure et demie. D'accord. Et c'était Et après, tu es magnifique. descendu vers le nord? En plus, tu es remonté vers le nord Je suis plutôt? plus. En fait, j'ai rencontré un homme merveilleux, bon, le premier amour de 18 ans, évidemment, et c'est lui qui m'a fait rester. Parce que c'est vrai que si je n'avais pas rencontré, je pense que je serais revenue en France. Parce C'est vrai? que, oui, parce que mon contrat était terminé, Oui. et je me suis dit, bon, ben, c'est vrai que qu'est-ce que je vais faire? Après tout, je n'ai pas vraiment de plan. Donc, je vais peut-être retourner en France, voir comment ça se passe. Après tout, maintenant, je parle anglais couramment. Peut-être que je peux trouver un job. Mais j'ai rencontré cet homme qui m'a vraiment changé ma vie. Et tu Le restes. mentor, quoi, il Et m'a tu es appris à revenu. conduire, comment avoir un bon, un compte en banque, il m'a tout appris. Vraiment, tu sais, même, je sais pas, même être agile, faire des choses avec ses mains, construire une maison, enfin, skier, plein de trucs. Et je suis tombée extra, extra amoureuse de lui. Donc, T'es un il m'a. Américain. Un Américain, ouais. Donc, il m'a proposé de venir vivre avec lui à San Diego. C'est vrai? Ouais, donc on a fini Santa Barbara, on descend sur San Diego, on essaie de trouver un petit job, on se prend un petit Il était studio. jeune aussi. Oui, il avait 1 an et demi de plus que moi, donc c'est vrai que c'était le grand amour fou. Vous étiez bien ensemble. On était bien, on s'en avait pas de limite, et puis on a voyagé partout dans le monde entier, on a économisé plein d'argent pendant 6 mois, Et vous avez et fait le monde entier. ouais, on s'est fait le tour du monde, et après bon, on est revenu et on est resté 6 ans ensemble. Vous avez fait en backpack, c'est ça? Ouais, plus ou moins en backpack, on s'est trouvé un petit bus où on dormait dedans, on s'est fait l'Australie de haut en Ah bas, oui, quand on est jeune, on peut faire n'importe quoi. je referai encore, hein. Je suis encore jeune. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, mais on peut dormir dans la rue, on peut. Ah, Ouais. c'est beaucoup plus facile que si on est beaucoup plus adulte. Oui. Oui. C'est vrai qu'après, tu deviens plus difficile, tu as envie de plus de confort, Voilà, t'as c'est pas envie de ça. dormir dans un bus, tu te dis, bon, non, je vais dormir dans une chambre d'hôtel quand même. Oui, Ouais. à un certain âge, on veut un certain confort, la douche et puis tout ce qu'il faut, quoi. Oui. Donc là, je vois sur ta carte que tu fais un nouveau business. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? Alors, pas plein de choses. Alors déjà, Tu aimes la cuisine? j'adore la cuisine, j'adore
j'adore cuisiner. Je suis toujours celle qui organise les fêtes de dîner. Bon, ok, quand est-ce qu'on se fait une raclette? Bon, ok, j'organise tout et j'appelle tout le J'aime bien monde. cuisiner. J'adore cuisiner. J'ai toujours été dans la cuisine à regarder ma mère, ma grand-mère. Et ça, je sais pas, ça a été une passion qui s'est développée naturellement en fait. Et vu qu'à la maison, on ne mangeait pas au restaurant, il fallait toujours cuisiner. Des fois, chacun notre tour, on faisait des petits dîners comme ça. On mettait le menu sur le Et tableau. t'appelais et tu le faisais toi aussi. Ah ouais, toujours, toujours. J'ai toujours adoré faire de la bonne cuisine et j'adore. C'est vraiment très D'accord. important pour moi. Et j'ai décidé voilà, de faire mon business. Pourquoi pas? C'est vrai que tout le monde adore ma cuisine. À chaque fois que je fais un dîner, tout le monde veut venir à la maison. Je suis même obligée de leur dire, ah ben non, on n'a plus de place là. Là, j'ai plus de chaises. Je suis désolée, je peux pas. Et puis c'est vrai que je peux faire plein de choses. Hein. C'est vrai, Oui, j'ai. mais les crêpes, c'est quand même une spécialité Oui. et il faut une certaine technique pour faire. C'est-à-dire, moi, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. C'est vrai que ça prend de la pratique. J'avoue, et Et faut jamais c'est toi désespérer. qui as appris tout seul? Ouais. Bah oui, enfin au départ, bon, je voyais ma grand-mère faire les crêpes à la poêle, Oui. mais j'ai eu ma petite machine à crêpes pour Noël en Et tu 2003. pratiquais? Et tu Ouais, je pratiquais? pratiquais, je regardais un peu les YouTube vidéos comment faire, et puis je me suis dit, bon, c'est Et pas. un jour, t'as réussi. Ouais, même au premier coup. C'est vrai? Premier coup, hop, Tu as fait bon, comme ça et ça. c'est un peu débordé, mais. Ça a marché. Bon, après, il faut juste suivre la recette. Après, hop, une fois que tu sais Mais bien les crèmes tourner. parfaites, il faut une certaine pratique. C'est vrai. Là, je ne Tu les ai les pas fais fait parfait. carrés ou ronds? Eh ben, alors, début ronde, parce que je tourne Oui. avec la petite Roselle. Oui. Et puis, selon les crêpes salées ou sucrées, moi, La crêpe j'aime bien carrée. plier les crêpes salées C'est ce que j'ai carrées. vu, c'est ce que j'ai vu. Donc tu aimes bien les plis en carré. Oui, pour les salés, vraiment pour garder la tradition des crêpes bretonnes, comme elles sont servies. Et c'est vrai que ça donne un peu. Ça donne l'idée. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je peux entrevoir un peu de jambon, de fromage, d'œuf, mais c'est pas vraiment le goût. C'est pas la grosse surprise. Ok, qu'est-ce qu'il y a dedans, quoi. J'aime bien. Est-ce que tu as déjà mangé à Ticous quand ils étaient ouverts? Ils ont fermé. Malheureusement, non. Parce que c'était l'endroit en fait favori des San Franciscaines. Ouais. Et moi j'allais souvent là-bas. Et puis tout d'un coup elle est partie. Elle est de, je crois, de Bretagne. Et puis elle a fermé, elle est partie. Ben, je Donc pense finalement il y que. a un Oui. besoin maintenant pour toi de les remplacer peut-être. Ben, c'est l'idée. C'est vrai que j'aimerais bien être la prochaine Ticouse crêpe madame. Tu as entendu parler? Oui, énormément. À chaque fois que je rencontre quelqu'un et je leur parle de Ils en crêpe, parlent. Ticouse, Ticouse. Alors je Ouais, ils suis sont allée passés sur. sur mon programme, C'est etc. vrai? Oui, je suis allée les filmer, etc. Mais c'est drôle que on ne sait pas la raison pour laquelle ils ont fermé. Tout d'un coup, c'était business comme ça. Bon, ils ont fait peut-être assez d'argent et ils sont partis, je Ils sais sont pas. partis prendre leur retraite, ils sont partis vivre un peu leur vie. Parce que c'est vrai qu'avoir un restaurant, Ça prend ça du prend temps. énormément de temps. Il n'y a plus de vie. Tu dois bosser 7 jours sur 7, tu te Faire la couches. supervision des employés, tu dois faire la comptabilité, Tout, tu tout. dois aussi faire, tu dois faire attention à dépenser, aux rentrées, etc. Faut penser à tout. Donc c'est vrai que je C'est sais une pas. responsabilité, ouais. Énorme. Donc bon, est-ce que j'ai envie de prendre cette responsabilité au point Si tu. d'avoir un restaurant qui marche très bien? Je sais pas. Je Oui. suis pas encore à ce niveau-là. Pour l'instant, j'ai vraiment envie D'avoir un peu plus de liberté, hein. Oui. C'est vrai que je suis une nana qui adore voyager, qui aime bien quand même prendre son temps pour vivre. Et c'est pour ça que j'aime bien être traiteur, parce que ça me donne la liberté de choisir quel événement j'ai envie de faire. Et pas d'être toujours au même endroit, chaque jour, faire la même chose. Donc c'est vrai que ça, j'aime pas tout ce qui est C'est vrai que répétitif. quand tu fais du catering, tu peux t'arrêter quand tu veux, tu veux recommencer quand tu veux, c'est ça? C'est ça Oui, l'idée? puis tu bouges, tu vois les gens, tu vas dans des T'es endroits pas bloqué, différents. ouais, t'es pas bloqué. C'est vrai que moi, ce qui Tu ça, peux même perdre 3 mois de vacances et revenir, c'est hein. ça, voilà, si tu fais assez d'argent et que tu économises bien et que tu dis, bon, voilà, Je on se crois que c'est prend une meilleure deux mois de solution pour toi alors. vacances. Oui, je préfère. C'est plus moi. Bon, c'est vrai que je suis une battante, je travaille très très dur, mais quand même, on n'a qu'une vie et j'ai envie d'en D'en profiter. faire autre, de faire autre chose. Ouais, Ouais. voilà. Et puis si ça devient grand, tu peux toujours engager quelqu'un. Exactement, Voilà, voilà. c'est ça. Donc, dis-nous. Alors, il y a les crêpes marron et les crêpes blanches. Et puis, dis-nous un petit peu ce que tu connais sur le business des crêpes, Ok. sur les recettes de crêpes. Alors déjà, bon, pour les crêpes salées Excuse. traditionnelles bretonne, on utilise de la farine de sarrasin. Donc c'est vrai que c'était assez difficile de trouver de la farine de sarrasin aux États-Unis. J'ai fait mes petites recherches. Ah oui, tu l'as importé?
Non, alors je ne l'importe pas, mais il y a Ça existe. oui, il y a un magasin spécial Qui les vend, organique qui les vend. qui en vend. Et bon, c'est très similaire de la farine de sarrasin, mais pas vraiment la même que celle que tu peux trouver en Bretagne. Mais bon, j'ai réussi à vraiment incorporer des ingrédients spéciaux qui démarquent mes crêpes en fait. Je demande à ma mère de m'envoyer des herbes de Provence du sud de la France et j'ajoute ça dans ma pâte à crêpes et ça donne vraiment une saveur vraiment du sud où c'est quelque chose vraiment imbattable, tu peux pas en trouver ici. D'accord. Oui. D'accord, donc elles sont marron. Elles sont marron, donc c'est sans Et qu'est-ce que gluten. tu mets dedans? Alors, bon, bien sûr, c'est sans gluten, donc pour ceux qui sont allergiques au gluten, ça c'est très très bien, ils sont très contents. Ah bon, ah bon? C'est Oui, sans gluten? Comment c'est ça se sans fait? gluten, les Ça farines de s'appelle sa comment? buckwheat. Ça s'appelle du buckwheat, Buckwheat ok. flour. Ah. Donc c'est sans gluten, et c'est vrai que c'est beaucoup plus épais, donc il y a vraiment un goût très presque terreux quand tu manges la crêpe. Donc c'est pour ça que j'ajoute de l'huile d'olive, des herbes de Provence. Pour un peu assouplir. Voilà, pour assouplir et puis pour donner un peu plus de Et goût qu'est-ce que parce tu mets que. dedans du point de vue ingrédient après que la crêpe est faite? Alors, ben, plein de trucs. Alors, Plein de trucs? bien sûr. Qu'est-ce que tu mets? Alors, bon, bien sûr, du bon fromage d'Emmental. Ah bon? Tu les fais importer aussi? Alors, c'est une compagnie qui. C'est une compagnie qui Qui donne importe. les Voilà, fromages? qui importe plein de fromages de France. Gros-Mayen-Mort peut-être, non? Donc il y a de tout, il y a tous les fromages Emmental, Gruyère, et donc j'ai goûté un peu de tout et j'aime bien l'Emmental, ça fait Tu vraiment connais la nouvelle épicerie française sur Goff? Gourmet-n'-Mort? Oui. Oui, mais alors ils sont un peu C'est très trop, cher, un peu oui trop voilà, cher. ils sont un peu trop petits pour Donc moi. tu achètes en gros. C'est ça, j'achète des gros blocs de fromage, comme ça ils me donnent un petit prix bien sûr. Parce que toi, tu dois revendre au prix des détails. Voilà, exactement. D'accord. Et je trouve que ça fait vraiment, c'est très authentique parce que quand tu manges une autre crêpe, admettons, ouais, les autres crêperies utilisent du cheddar, de la mozzarella, il n'y a pas N'importe de quoi. goût, il n'y a pas de goût dans ce fromage, c'est rien du Ah tout. bon? Ah bon? C'est horrible. Et pour ceux qui ne mangent pas le fromage, tu peux leur faire des légumes? Je fais des crêpes végétariennes. D'accord. Donc ceux qui n'aiment pas, tous ceux qui n'aiment pas la viande ni le fromage. Alors je propose spinach, donc des feuilles d'épinards avec des Une échalotes. ratatouille, ouais. Oui, voilà, une petite ratatouille avec des poivrons, une petite herbe de Provence, D'accord. avec une petite sauce. Et donc, Ouais. si tu mets des produits animaux, que tu mets du jambon? Jambon d'Inde. Ah bon? Des fois je fais des spéciales, je fais une sauce bolognaise fait maison Ah bon? que j'ajoute dans la crêpe avec du fromage fondu. Tu leur dis ça? J'adore. Oui, Tu bien leur sûr. dis? Je fais des spéciales des fois quand je sais que quand Tu leur c'est donnes un menu et des fois tu ajoutes quelque chose de différent? voilà comme ça c'est pas le menu c'est pas le menu dont ils ont l'habitude ils ont envie de venir voir quel spécial de crêpe madame aujourd'hui C'est super. ouais donc ça marche et puis ça vend comme des petits pains ouais. D'accord. Et comment tu t'es fait ton premier client en disant, tu as appelé quelqu'un t'a appelé, tu t'es dit j'ai une partie ce soir, viens nous faire des crêpes? Le premier Comment ça s'est passé ton premier client? Alors, le premier client. Attends, il faut que je C'était peut-être un ami. réfléchisse. Alors, déjà, le premier client, moi, j'ai fait des launch parties. Donc, c'est vrai que Ouais. je voulais que. Te Donc, faire connaître. voilà, je voulais me faire connaître. Donc, j'ai réussi à trouver une bonne location qui était juste près du Bay Bridge. C'était comme un restaurant à deux étages, mais Il y a combien d'années? C'était en juin. Ah, J'ai fait. cette année. Ouais, de cette C'est année en très juin. récent finalement. Oui, c'était un building. Derrière Ferry Building de San Francisco, il y a un restaurant de deux étages. Bon, c'est pas vraiment un restaurant, c'est plus un building où ils font des parties, des mariages. Et donc, je leur ai demandé si je pouvais louer l'espace pour faire une launch party. Comme ça, tous les gens peuvent venir manger mes crêpes gratuitement. Comme ça, je me fais connaître. J'ai demandé à un ami de jouer un peu de musique. Donc, il y avait un DJ. Il faisait super beau jour-là. Il y a eu énormément de gens qui sont passés. Même des gens que je connaissais même pas. Je savais même pas Et comment tu ils leur ont as donné su. des crêpes à goûter. Ah oui, tout gratuit toute la journée. Et Finalement, c'est. quelqu'un est venu te voir, t'as dit, est-ce que tu peux le faire pour moi? Voilà, est-ce que vous voulez venir à ma soirée? J'en ai une la semaine prochaine. On aurait besoin Crêpes. d'un traiteur. Voilà, est-ce que ça vous intéresserait? Je C'est fais pas vrai que quand on donne, de on problème. reçoit finalement. Oui. C'est vrai, mais bon, pas tous les coups quand même. Il y a Oui, il y a des plein de fois où fois, t'as pas eu des j'ai rien eu. clients. Non, parce que c'est vrai que Faut bon. divan cibler l'événement, peut-être, hein?
Oui, pourtant, il y a eu deux événements que j'ai faits qui auraient pu ouvrir plein de portes et j'ai l'impression que les gens, ils étaient juste là pour manger gratuit. Ah bon? Oui, sans vraiment faire... De business avec toi. Ils ont pris ta carte et tout? Oui, ils ont pris la carte, on a discuté, jamais, ils avaient l'air sympas. Peut-être un jour, on sait oui, jamais. J'espère. Ah oui, d'accord. Mais moi, du moins, j'ai leur carte, je leur écris souvent, Tu leur envoies un rappel, oui. Ouais. Tu as un mailing list, tout ça. Oui. D'accord, ben c'est très bien. Je leur rappelle. Je suppose tout, tu fais ton marketing, ta comptabilité, tout. Ah ouais. Et ça, c'est un truc. C'est un one woman show comme le mien, c'est ça. Je fais tout. Mais bon, pour l'instant, vu que je suis pas une grande compagnie, donc c'est vrai que là, j'arrive à m'en sortir au niveau de comptabilité, marketing et si tout ça. Si ça grandit. Là, j'aurais besoin d'aide complètement. D'accord, d'une assistance et tu pourras appeler ta sœur peut-être. Non, oui, pas nécessairement. Mais c'est vrai que de l'aide pour tout ce qui est QuickBooks, comptabilité, marketing, comme ça je peux focusser sur vraiment les réservations, avoir des contacts avec les clients. QuickBooks, c'est un software pour faire la comptabilité. C'est ça. Ah d'accord. Et à un certain niveau, tu n'as pas besoin d'en faire, si? Pour là, je peux vraiment, bon, tu sais, vu que j'en ai pas, je suis pas débordée. Oui. Voilà, donc... Mais il paraît que si tu as moins que 5 000, tu n'as pas besoin. Et après 5 000, tu as besoin. C'est ça. Oui, il y en a besoin. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment être à jour parce qu'ils veulent, ils veulent toujours te taxer. Il ne faut pas faire d'erreur. Donc, c'est vrai qu'il faut être vraiment sérieux. Ils taxent moins de 5 000? Ah oui, ils taxent même pour rien. J'aurais, même pour mon premier mois, j'avais fait peut-être... $100 oui, un peu plus, 500 dollars. Ouais. Et hop, hein, il m'envoie un email. Hein, n'oubliez pas de payer vos taxes. Combien vous avez fait de la période juin et juillet? Je fais bon, mais 500 dollars, hop, et hop, Hop, ils te taxent, oui, 9%? Non, un peu moins quand même. 8% peut-être, oui. Mais c'est quand même, ils veulent leur partie, quoi. Ah oui, ils sont là, ils sont derrière toi. Hein. Ils veulent pas que tu fasses de là. Pourtant, tu viens de démarrer. Je croyais que la première année te donnait un break. Non, parce qu'en plus, il y a les taxes fédérales et les taxes d'État. Alors là, les fédérales, ça commence à 7 000. Ouais, je sais pas. Toi, c'est... Non, enfin, il faut que je vois. Tu vas voir, d'ici peut-être 2013, ça va déclencher pour toi, ouais. C'est ça. Peut-être 2012, ils vont te laisser passer. Ils vont peut-être me laisser passer. Bon, ok, elle vient de commencer. On va lui donner un petit break. Hein. Mmh. Là, on va pas lui faire peur quand même. Et puis là, ils vont attaquer sur toi. Oui. D'accord. Et tu as compris le système de taxes américain ou pas encore? Ben, moi, bon, j'essaye de... Quand ils me disent, ok, vous devez ça, je dois. Tu payes, tu veux pas être... J'essaye de pas te poser de questions parce que si je dois aller vérifier à droite, à gauche, bon, je sais qu'ils sont... Ils me disent pas, enfin, ils vont pas me voler d'argent. Tu appelles City Hall et tu voilà. demandes... Si vraiment, je pense qu'il y a une erreur parce que s'ils me demandent plus de ce que j'ai fait, je dis, ok, il y a un problème là. Mais s'ils te demandent plus que 8-9%, tu vas les appeler. Oui, je fais, qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu un problème, donc bien sûr, je vérifierai. D'accord. Et donc, étant donné que tu fais ça de temps en temps, enfin, ça va devenir bientôt peut-être beaucoup plus souvent, est-ce que tu continues à étudier ou tu fais autre chose? Bah, je fais toujours plein de choses, vu que j'ai mon copain qui fait... La cuisine? Oui, il fait de la cuisine aussi, mais bon, sa compagnie, c'est maître de main d'œuvre, donc il fait aussi du design et de la construction. Tu l'aides. Voilà, donc s'il faut que j'aide sur un design, j'adore choisir les couleurs, le carrelage, où est-ce qu'on va mettre la baignoire. Tu es une consultante, ouais. Voilà, j'adore. Et vu que j'ai... Tu as bon goût en plus des couleurs. Tu as bon goût, hein. Je vois d'après la façon dont tu t'habites. J'adore les couleurs, je trouve que c'est vivant et j'ai besoin toujours de stimulation quand je regarde les choses. Et plus on me donne de couleurs, plus je suis heureuse. Tu as pensé être intérieur designer? Ben, j'ai voulu, mais le truc, c'est qu'il faut que je fasse plein d'études. Donc moi, je voulais en fait sauter directement dans le monde d'intérieur design, mais on me disait, mais est-ce que vous avez de l'expérience? Est-ce que vous avez fait vos études? Je fais, non, mais j'ai bon goût. Et puis il me disait, oui, bon, vous savez qu'il y avait, c'est compétitif et il y a énormément de designers, surtout sur San Francisco, qui ont fait 5-6 ans d'études. De l'art et tout ça. Oui, voilà. Donc moi, qui arrive comme ça, juste parce que c'est je suis française, j'ai du goût. C'est vrai que si quelqu'un te dit, je veux ma maison style Louis XVI, tu vas te poser des questions. Là, j'aurais besoin de faire des recherches. Mais voilà. Si quelqu'un veut un truc moderne, là, tu es bonne. Oui, parce que tu es moderne toi-même. Et puis, il y a tellement de centres de design sur Potrero Hill. Tu peux les consulter. Tout à fait. Et donc, je vois qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui a harmonieux. Remarque, ce que tu peux faire, c'est si tu as un client qui n'a pas besoin de tes diplômes, tu peux travailler pour lui.
J'y ai pensé, mais bon, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est assez compétitif, ça garantit pas vraiment Des revenus des réguliers. revenus réguliers exactement. Donc, je me suis dit, écoute, Tout le monde mange, là, c'est tout, mieux. voilà, tout le monde a faim chaque jour, donc ça Il y marchera aura plus plus. de business. Et puis, bon, c'est vrai que je suis plus passionnée sur la nourriture, sur tout ce qui est gastronomique, que vraiment design d'intérieur. Oui, d'ailleurs, j'ai vu ta carte qui est très jolie. Ah, on va la montrer là. Donc c'est la carte de Laetitia. Donc elle est très jolie. Elle est avec du purple et du rose. Donc Comme vous voyez. comme ta veste là, enfin ta chemise. Donc quand tu fais tes crêpes, tu t'habilles en purple? Voilà, j'essaye de garder quand même les couleurs. L'image. Oui, l'image de bah, Et tu as un tablier rose j'ai un ou? tablier rose avec des petits froufrous noir et blanc, C'est avec des mignon petits ça. points. Donc c'est vrai que ça, c'est mignon. J'ai Ça envie. te fait ton logo sur toi. C'est ça. J'ai envie de donner une image, bon, Lavande. oui, de lavande, d'harmonie et de. Donc, j'ai envie d'inspirer aussi confiance aux clients, que aussi une chef peut être très jolie et avoir beaucoup d'expérience dans la gastronomie. C'est super. Et donc, après 6 mois, tu es contente d'avoir démarré ça ou tu as regretté? Non, pas du tout. Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau. Chaque jour, j'ai toujours des bonheurs nouveaux de clients, des Et choses tu aimes qui se rencontrer des passent. gens nouveaux? Oui, j'adore. Ah, J'adore. tu aimes les parties aussi, tout ça? J'aime bien être là quand les gens Il sont y a une heureux. célébration. Voilà, exactement. Donc à chaque fois que Et puis Noël arrive, là, ça va être encore mieux, c'est ça? ouais, j'attends Noël avec impatience parce que je sais qu'il y aura plein de Christmas party Ouais. et donc bien sûr ils ont toujours besoin de traiteurs et je pensais Tu même voulais faire faire partie? des crêpes de couleur en fait parce que j'ai trouvé des petits colorants naturels. Ouais. Donc je pensais faire un peu fantaisie, donc crêpes un peu vertes et un peu rouges pour faire Ouais. les couleurs de Noël. Comme j'ai fait avec Halloween, j'ai fait des crêpes oranges et ça, les gens ils ont adoré parce que Ouais. ça sort de l'ordinaire un petit peu. Et c'est Et vrai, je donc trouve que ça marcherait bien. tu fais le dessert et l'entrée. Oui, Tu fais les deux. je fais les deux. Donc ils peuvent avoir 2 crêpes. Deux crêpes, enfin autant qu'ils veulent, hein, s'ils en veulent 5 chacune, aucun problème. Mais c'est vrai que je les remplis bien. Donc ceux qui se prennent plus de deux crêpes, je me dis, il a bien bien faim. Ou à moins qu'ils soient très très fan. Donc finalement, c'est un aliment complet parce qu'il y a des légumes, Oui. il y a de la De la protéine, viande. il y a un peu de tout dedans. T'as pas besoin d'avoir une salade à côté, si? J'aime bien ajouter la salade parce que c'est vrai que ça fait une bonne petite garniture. Tu leur donnes? C'est Ok. une bonne petite garniture et je suis la reine des Et salades. tu leur donnes donc la crêpe, la salade et le dessert. Voilà. Le Donc dessert, c'est une crêpe. voilà, c'est une crêpe. Et donc repas complet. S'ils veulent des boissons, je peux ramener du vin, du champagne, du cidre, du coca, ceux qui veulent. Ceux qu'ils veulent. Et du point de vue cuisine, qu'est-ce que tu sais faire à part les crêpes? Eh bien, j'ai tout cuisiné. Tu sais tout Ouais, faire? j'ai Tu sais faire voyagé. ragoût et de salade et tout ça? Je sais faire toutes les saveurs du monde. Et tu sais J'ai faire aussi les soupes et tout? les soupes, les ragoûts, les gratins. C'est vrai que j'ai C'est tout dans voyagé. ta tête. J'ai voyagé énormément et j'ai pu ramener des épices de partout dans le monde. Et je les ai encore. J'ai un tiroir rempli D'épices. d'épices de partout dans le monde. Et donc, c'est vrai que j'aime quand Tu aimes improviser? improviser, ouais, voilà. Bon, c'est vrai que je suis pas. Mon plat, par exemple, si j'ai envie de faire indien, il va pas être super, super indien, mais il y Il y aura quand aura même le les épices. curry, Il y a les le curry, épices, oui. le cumin, et tu verras quand même que ça a une saveur, c'est une saveur Indien. indienne. Tu es allé là-bas? Je suis pas allée en Inde, mais mes parents sont allés en Inde. Donc Et ils t'ont j'ai. rapporté des. Oui. Et ils en ont parlé Quel pays énormément. finalement tu as visité? C'est-à-dire, tu as dit que tu as fait un peu quelques pays? Ouais, alors j'ai fait tout. Bon, alors j'ai fait bien Enfin, tu, sûr. si, si tu te rappelles pas, c'est pas la peine. J'ai Tu as fait fait l'Europe et l'Asie peut-être? j'ai fait donc l'Australie, j'ai fait toute l'Amérique centrale, toute l'Amérique, toute l'Europe. Hein, Et ça t'a donné une bonne formation une partie de d'Asie. l'Afrique aussi. Ça t'a donné une bonne formation. Énorme. Et c'est vrai que j'aime bien regarder et j'adore manger, donc évidemment je mangeais les repas De toutes sortes, oui. de toutes sortes, chez les locaux. Parce que j'aimais pas les restaurants touristiques, je vais toujours dans les Ouais. petites ruelles. Comme ça, tu peux goûter. Voilà, et tu parles vraiment avec la cuisinière Les qui a appris ça de la grand-mère de sa trucs grand-mère. traditionnels, oui. Et donc du coup j'ai pu apprendre à cuisiner indien, japonais, je peux cuisiner chinois, je peux cuisiner français, américain, mexicain. Tu sais tout faire. Oui. Mais est-ce que tu penses toujours que la cuisine française, c'est la meilleure? Ouais. C'est raffiné. C'est beaucoup plus raffiné. Oui.
J'aime bien. Peut-être parce qu'on passe un peu plus de temps dessus. Peut-être, et on fait avec amour, et on aime vraiment. On recherche vraiment la gastronomie, on recherche les saveurs qui vont ensemble, qui font exploser dans la bouche. Et j'appelle ça un orgasme de bouche. Et quand je dis ça en anglais, ils rigolent d'ailleurs. Ah bon? Oui. Donc, quand tu manges français, c'est toi et tu te sens bien. Voilà, je sais que c'est bon, je sais que ça est fait avec amour, je sais que c'est pas du vite fait, ça a été vraiment peut-être appris de génération en génération. Donc, ça a donc, quand même, donc tu penses que les Français méritent leur réputation? Tout à fait. D'accord. Oui. Non, on fait une petite pub pour les Français. Oui, bien alors. Sûr. Quel est ton restaurant favori français? Ici, à San Francisco? Oui. Mmh. Alors, j'aime beaucoup. Tu as déjà essayé un ou deux, peut-être? Oui, bien sûr. Malgré que tu manges que chez toi? Non, j'ai quand même. Enfin, j'ai des copines, bien sûr, qui travaillent dans des restaurants. Qui travaillent dans des restaurants français. Et moi, quand je vais les voir, bon, elles m'offrent un petit plat, c'est sympathique. Donc, j'aime bien Garçon. C'est sur la 24e et Valencia. Ah oui, hein, si je leur ai parlé bien. D'ailleurs. Et j'aime bien, j'aime bien la petite ambiance et le. C'est un petit restaurant de coin. Oui, c'est un petit restaurant de coin et j'ai jamais été déçue par les plats là-bas. Par les plats, super okay. Bon, super. D'accord. Bon, nickel. Ben, c'est bien, tu vois. D'accord, ben c'est bien de le savoir. Peut-être que j'irai les voir un jour. Oui, ils sont vraiment tous gentils. Et puis c'est vrai qu'ils te traitent bien. Tu sais, ils savent que t'es française et ils vont te chouchouter. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Ok, ben.